was in the breakaway in 2018 up Monde, and yeah, it's a nice finish. It's very special. It's not a very long climb. It's more for the punchy riders, and yeah, I expect tomorrow actually for a big breakaway to go. Nelson Paoles qui est passé en tête au sommet de la côte de Saint-Jumalmont, le coureur de F Education Easy Post. Nous sommes dans l'ascension de la côte de Châtenier. Ah, et Quinn Simmons qui dispute à Gueschko les points de la montagne. Et c'est Quinn Simmons qui passe en tête. 2 points pour Simmons, 1 point pour Simon Gueschko. 18 coureurs à l'avant. L'échappée s'est enfin constituée. Il a bien joué là ce coup-ci Gueschko, il a retardé le démarrage du sprint, il a fait un sprint court. Michael Matthews est passé en tête au sommet de la côte de la Fage, classé en troisième catégorie devant Félix Groschartner. Michael Bling Matthews, comme on le surnomme dans le peloton, est un magnifique vainqueur ici à Monde.